Non. J'ai dit que j'enregistrais juste quand que je finissais ma vidéo. C'est comme s'il ne lui était rien arrivé. Et ton historien est vraiment exceptionnel. Ouh, ben oui, il était juste emprisonné. Comme si c'était rien. Mais écoute, j'avais prévenu mon père. Ben, va donc faire ça, ma chère, pendant que nous autres, on fait absolument rien. Ah, pas toi. My God, tu me fais peur. Ah bien, si c'est pas Malkai Étoile. J'ai entendu dire que t'as retrouvé ton poulet, il était temps. Wouhou! En tout cas, on a pu profiter du temps que tu nous as fait poireter pour bien nous entraîner, c'est au moins ça. T'entraîner à faire le salaud? Tu réussis très bien, mon cher. Je comprendrai jamais pourquoi un flanc mou, my God, qui dit des choses bizarres, comme toi, a toujours droit à des traitements de faveur. T'es pas capable d'aller nulle part sans la Belzina, on dirait. Tu vas faire tout un chevalier, toi. Ha 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 ha! Je gâche que t'arrives pas à décider toi-même ce que tu manges au déjeuner. Hein? Non, je suis pas capable. Aucunement capable. C'est pour ça que je mange mes cheveux au déjeuner. Des bons cheveux. Zelda, c'est ma meilleure amie depuis qu'on est tout petit. On est inséparables, blablabla. Franchement, c'est gênant. T'as déjà fait ta crise de jalousie tantôt. On n'est pas obligé de la revoir, s'il te plaît. Et toi, t'es en fier. Hein? Non, on n'avait pas remarqué. Blablabla. Toujours plus de rien qu'ils disent. Je vous le dis, arrête vraiment pas de se répéter dans ce jeu-là, ça a aucun bon sens. On perd du temps. Ergo, n'arrête pas de parler de son avenir avec elle, blablabla. C'est vrai, hein? On le sait qu'il est jaloux, pas obligé de nous le planter dans la face, ben comme faut. On le savait, on peut voir ça, ok? Arrêtez de nous dire la même chose 130 fois. Désolé de devoir briser tes rêves d'enfant, mais c'est aujourd'hui que ça se passe. Elle sera mis de la baisse dedans. Adore avec le joueur par. Avec la joie, le parachar, un nouveau mot, merci my god, parce que c'est moi qui sera le vainqueur, c'est clair. Bon, on le sait, on le sait. Quand j'ai su que Zelda elle-même l'avait obtenu, absolument. Bon, blablabla, on le savait. C'est la raison pourquoi t'as emprisonné l'oiseau. On l'a su la première fois que on t'a vu, pas obligé de revenir nous dire la même maudite chose. Je gâche, c'est pour moi qu'elle pensait qu'elle l'avait. Histoire inutile. J'ai quasiment peur. Après ma victoire, il y aura la cérémonie en haut de la statue de la déesse. Juste nous deux, sans personne pour nous déranger. Et ce sera un doux moment à bord de l'homme. Oh, rien qu'à y penser, je... Oh my god, qu'est-ce qu'elle allait dire là? Oh my god, qu'est-ce qui... Oh! On sait tous à quoi qu'il pense. On le sait tous. Hein? Psst, ergo, derrière toi. Là, derrière. On le sait. Quoi, tu ne vois pas que je suis en train de tais-toi? Oh my god, qu'est-ce qu'il était en train de faire au juste? Pourquoi ils ne le disent pas? Pourquoi il ne le précise pas? Oupalaï! Je peux savoir ce qu'on fera exactement, toi et moi, sans personne que nous... Oh my god! On le sait qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont faire des ar. Je disais ça comme ça! Malgré toi, je suis content de te retrouver ton oiseau. On va pouvoir jouer franc jeu. À tout à l'heure, Zelda. Et surtout, surveille-moi bien pendant la course. Je vais y mettre le paquet. Ok, fait que cette interaction-là a absolument rien apporté à l'histoire. Parce que. On avait tout pu savoir ça tantôt. Ergo, à part le fait qu'il disait qu'il voulait vraiment faire des choses dans un buisson. Arr. Jouer franc jeu venant de lui, ça me fait bien rire. Malkai, toi, ne fais pas attention à ce qu'il raconte. Tu dois donner tout ce que tu as. J'ai confiance en toi. C'est promis. Rien que toi et moi. Arr. 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 Ah non, tu dois te concentrer. La chevauchée céleste va commencer. Ouh, on va pouvoir chevaucher célestement. Non, ça se dit pas. Mais pas grave. Que les élèves personnels se rejoignent et disent « Yeah, on va faire quelque chose. Je vais reculer mon micro pour pas donner des coups de Wiimote dedans. » Ça y est, Malkai. Bonne chance. Good luck. Good luck, my dear. Bon, fait qu'on va pouvoir gigoter. Faire des mouvements de haut et bas. OK. C'est le jeu qui me demande de faire ça. J'étais obligé. Ok, fait que depuis quand que les oiseaux chient des... En tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mangé, mais il y avait des gaz assez puissants, on va dire. Le chevauché céleste. Va pouvoir commencer. Je suis désespéré de revoir les mots, même mots 2 millions de fois. Ok, toi, bien fini de ne pas pouvoir participer, mais heureusement, tout le monde a répondu à l'appel. Bien, je vais commencer l'explication des règles. Nous allons d'abord procéder au lâcher de célestrier porteur de la statuette d'oiseau. What the fuck? Mon signal, vous foncerez avec A jusqu'à pouvoir plonger dans le ciel et monter sur votre oiseau. Ouh, oui, que je vais le monter, mon oiseau. Ouh, une fois en chute libre, n'oubliez pas d'appuyer sur pour siffler votre oiseau. On n'est pas stupide. Le premier, malgré que tantôt c'était autre chose, mais en tout cas, le premier qui rattrapera l'oiseau et saisira la statuette avec A sera déclaré le vainqueur.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Tout le monde a bien compris? Yep, parce que si je dis non, tu vas me répéter ça, j'en suis convaincu. Bien, le vainqueur passera bien sûr en classe élite et recevra un présent honorifique. Ce présent lui sera remis par celle qui a été choisie pour représenter. Ok, on le savait déjà, blablabla, et l'occasion de ce 25e anniversaire à la cérémonie en lieu sur la statue de la déesse. Oui, blablabla, répétage. Cette année-là, représentant de la déesse a tenu à tisser elle-même le présent. Vous la connaissez tous, oui, elle nous l'a dit tantôt, Zelda. La ravissante Zelda. C'est le moment pour chacun d'entre vous de prouver que vos entraînements portaient ses fruits. Des fruits. Arr, mangeons des fruits. Et attention, le lancer d'objets et la charge intempestive sont interdits. On le sait tous qu'il va nous faire ça, maudit salaud. Compris, ergo. Oh, c'est bien, ils le connaissent déjà. Au moins, c'est pas comme dans les autres jeux ou films que les autres personnages ne savent pas que le trou de cul est un trou de cul. Mais là, ils savent. C'est-tu parfait? À vos marques, prêt? Je suis pas prêt. J'ai pas le contrôle de mon personnage. Espérons que Link ne se fasse pas posséder comme par un démon comme tantôt. Hey, hey, what the fuck, gang de tricheurs? Wouh! Je siffle. Aucune idée pourquoi j'ai sifflé tout de suite. Je sais pas s'il fallait que je siffle tout de suite. Mais écoutons. On dirait bien que oui, parce que l'écran est blanche. Yeah! Oh, c'est là-bas. Allons-y. Ah ouais, petit oiseau. Je sais pas si comme nos ailes se récupèrent plus vite. Non, ça va pas l'air être plus vite si on les fait pas. Pourquoi ils ont toutes de l'avance, gang de salauds? Toutes des... Arrête de gigoter, mon cher. Faut que je gigote. Je veux gigoter. Gigote. Ok, elle nous a dit qu'il fallait pencher vers le bas pour aller plus vite. Et... remontons. Go! Qu'est-ce qu'ils font à tourner en rond? Je sais même pas s'il faut que j'aille là. Je vais juste suivre le gros symbole sur l'écran. Ça m'en prend pas beaucoup pour me faire influencer. Apprenons à contrôler notre oiseau. Est-ce qu'on va faire quelque chose? Oh, il y a des roches. Qu'est-ce que ça fait si on fonce dans une roche? Allons voir ça tout de suite. Go, petit oiseau! Go! Tan. Ouh! Oh my god, il est résistant, ce oiseau-là. C'est bien. Oh, on est supposé d'aller chercher quelque chose. Ok, ça en vient. Il est à quelque part. Chants qui font que. Ah ouais, petit oiseau, monte! Gigote! J'aime ça faire ce mouvement-là. Ok, go. J'imagine qu'on peut plus monter parce que. Non, on peut monter encore. Ah! Ok, go! Je suis en haut de eux autres. Ah ouais, mon cher. J'ai jamais été bon avec les maudits contrôles de motion. Ah! Ah! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok, il est là. Go, petit oiseau! Go! Pourquoi il s'en va? Pourquoi il s'enfuit de moi? Au moins, je suis avec eux autres. J'ai un petit peu rapport, même si pas vraiment. Ah ouais, descends, mon cher! Descends! Il est là! C'est lui, le salaud! C'est lui! Je pense que c'est lui, mais je suis pas sûr. C'est quoi ça? C'est supposé être lui? Il y a plus de symbole, je suis tout perdu! Ah oui, c'est lui, ok, go! J'ai aucune idée. Ah ouais, va plus vite, mon cher! Ou moins vite, qui sait? Oh, il est là! Chut! Faut pas faire de bruit, sinon on va le savoir qu'on est en train de vouloir l'agresser sexuellement. Il est ici, mon cher! Ok, d'abord. Je suis vraiment mauvais, mais c'est pas grave. Est-ce qu'ils vont réussir à l'avoir? J'essaie de me faire de la vitesse, mais je suis un petit peu pourri pour ça. Pourquoi il monte? Gigotant. Oh, il est là! Il m'a quasiment foncé dessus comme un innocent. Go! Ah, mon salaud! Merci de venir me voir. Je pense qu'il nous facilite la vie, parce que s'il nous la faciliterait pas, j'aurais l'air speed. Hey, oh, toi, c'est à mon tour de goûter à la gloire de la victoire. Vu! Elle a dû dire schnaps. Pas vu. T'as entendu ce qu'il a dit? Pfff, tiens, ça t'apprendra. C'est quoi, il vient de cracher dessus? What the fuck? Il vient de tricher, gang de salaud. Je vais aller me plaindre. Ouch! What the fuck? C'est qui me garoche des. Ah! C'est des ballons de soccer, what the fuck? Des ballons de football! Excusez-moi pour les français. Ok, oh il est là! Il est dans! Arrêtez de me lancer des Pop-Tarts! Oh c'est des Pop-Tarts, je le savais. J'ai découvert c'est quoi qui nous lance. Ah ouais, gigote mon cher, gigote. Go! Oui, on est en bonne trajectoire. Arrête de me lancer des Pop-Tarts mon cher. J'aime pas les Pop-Tarts. Ouch! Non! Il l'a quasiment eu! Lâchez-moi les Pop-Tarts! Il est pas non, je les aime. En fin de compte, continue de m'en lancer, ça va être bon à manger. Oh, on le rattrape! Ouais, dans le fond, là, ce petit mini-game-là, c'est juste un tutoriel. Pourquoi il avance plus vite? Ouais. Je suis absé. Mon oiseau n'est pas si performant que ça, je trouve. Il est pas capable d'aller plus vite. Ah ouais, go! Je veux descendre. On va se pogner de la vitesse. Plein de vitesse. On peut-tu aller plus vite que ça? Non? Il s'en va par là, je crois. Gigoton. Toujours. Ah ah! Je t'ai trouvé, mon cher. Ou pas? Va-t'en pas l'autre bord, please. Va-t'en par là. Je vais essayer de prédire où c'est que tu t'en vas. Ok, il s'en va pas pantoute vers là. Mon salaud, je suis sûr qui joue contre moi. Il fait exprès. Mon oiseau est faible. À cause que je le fouette à chaque nuit. Fait que. Il peut pas performer quand il faut qu'il performe. Parce qu'il a déjà performé le soir avec mes coups de fouet. Ah. Ok, on va essayer. On va espérer un autre coup de chance comme tantôt. Aïe, il vient de recommencer à me lancer des Pop-Tarts. My god. Gigote, mon cher oiseau. Gigote. Pas capable de gigoter. Mange pas, puis mon oiseau reste sur place, puis il fait plus rien. Je suis plus capable de rien faire. What the fuck, qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis capable de peser sur ça. Ah ouais, descend. Oh, il a gigoté, ça a marché mon gigotage. Est-ce moi où le gigotage marche pas toujours? Oh, il est là. Go! Oui! Jouissement! Un autre! Je veux pas de Pop-Tart cette fois-là.
Vous avez obtenu la statuette d'oiseau. C'est la preuve que vous avez remporté le chevauchée céleste. C'est pas rouge! Zelda sera sûrement impressionnée. Est-ce qu'elle va vouloir faire des choses avec cette statuette? Est-ce que cette statuette vibrerait par hasard? Malka et toi! Exclamation! Ah non! Ah non, une folle! Une folle! Ok, d'abord, on va la sauver, ça a bien l'air. C'est bien, je suis en train de regarder le temps, comment que ça fait. My God, ça a pris autant de temps que ça, faire cette stupide affaire-là. Mais coudonc, ne t'inquiète pas, ça va aller. Je suis pas sûr, moi, que ça va aller. Pourquoi t'as porté ton harpe? Tu as volé comme un champion. Oui, j'ai volé toutes ces Pop-Tarts-là. Félicitations pour ta victoire, Malkai Étoile. C'est l'heure de la cérémonie. Allons vers la statue de la déesse. Oui! On va pouvoir faire des choses sans que personne s'aille là avec Zelda. Yeah! Oh my God, j'avais pas remarqué que la face de la statue était aussi bizarre que ça. On dirait qu'elle fait une face de... C'est mon bruit de qui explique sa face. Tu veux me donner la statuette d'oiseau? Je vais te l'offrir à la déesse. La déesse qui fait des... C'est bien. Désolé de gâcher tous les moments de ce jeu, mais c'est pas grave. Les personnages ont l'air stupides. On va écouter une musique maintenant. Ting 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 ting. Écoutons la musique. Je vais me la fermer pendant que les oiseaux volent. Plus ça, le bruit de la déesse. Oh, excusez-moi. Voudrais-tu m'épouser? Non, jamais! Déesse, toi qui nous guide et nous protège depuis la nuit des temps, accorde-moi le privilège de te représenter pour cette cérémonie! La déesse qui fait des... Ok, maintenant que j'ai vu cette face-là que j'ai fait ça. Toi qui fus victorieux à ce jour de liesse! Ah non, pas encore ça. Selon les rites anciens, te bénit la déesse. Ok, ils ont pas inséré un mot inutile à la fin de cela. Qu'aujourd'hui, comme demain, ton frère, elle et toi, sous de clémencieux, ne connaissiez que joie. What the fuck? C'est bien. Oh, 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 oh! Un striptease pour le gagnant, ça a bien l'air. Non, on a juste une couverte. Mais, reçois en récompense l'étoffe immaculée qui sera dans le ciel, doucement te porter. Fait que c'est un parachute? On va dire que c'est un parachute. Oh my God, ça a l'éclair à part de ça. Puis Link a l'air... trop content. Mais c'est pas grave, vous avez obtenu le parachale. Le parachute. Désolé de vous corriger, petit jeu, mais c'est un parachute, pas un parachale. Je sais que c'est un nom pour le jeu, mais coudon. Vous pouvez à présent sauter de n'importe quelle hauteur et atterrir tout en sécurité. Yeah! Ça veut dire que je me suiciderai pas stupidement. Un doux parfum s'en dégage. Détail inutile, mais coudon. Arrête un peu tes bêtises, Malka Étoile. C'est une cérémonie sacrée après tout. Est-ce que tu es en train de m'écouter? Parler? Où es-tu? Ah! My God! On raconte que le parachal était un artefact offert autrefois à l'élu de la déesse. Ah bon. Bien sûr, c'est moi qui ai tissé celui-ci, non pas la déesse. Ah bon. Je suis heureuse de pouvoir te l'offrir. Ah bon. Prends ça bien soin. Ah bon. Puis-je aller couper les monstres en deux maintenant? Merci, Malka Étoile. Tu as tenu ta promesse. Ah bon? C'est ça qu'il dit. Ah bon? Et pour terminer cette cérémonie, allons derrière le buisson. Arr. Tu sais ce qui va se passer maintenant, n'est-ce pas? Buisson? Ouais, l'option buisson. Je veux le buisson. J'ai peur. Je crois. Non? Je sais pas, mais semble la réponse à gauche était tout le temps la réponse salaud, mais là je vois pas vraiment de réponse salaud. C'est plate. Il manque la réponse. J'ai peur. J'ai peur parce que je sais que tu vas te faire capturer. Bien, voyons, il faut que tu sois à la hauteur, ma grande étoile. On le sait, soit que c'est le buisson, soit que tu te fais capturer. Fait que, oh, ça a l'air d'être le buisson. On se renvoie dans le buisson. Tu vas devoir sauter d'ici maintenant. Dans le buisson? Y'a pas... Oh! Y'a un petit buisson à droite. On va dire que c'est un buisson ou un arbre. Fait qu'on s'en va, ouais. Tu vois ce dallage circulaire là-bas? Au pied de la statue.
Pour clôturer cette tournée, il faut que tu atterrisses au 100. Oh non, un autre tutoriel pour nous apprendre comment utiliser notre parachat. Yeah! Après avoir sauté, appuie sur B juste avant d'atterrir afin d'ouvrir ton parachat. Fais preuve de courage en l'ouvrant au tout dernier moment. Bon, tu es prêt? Certain. Parce que tu peux être sûr que je l'ouvrirai pas, parce que ça me tente pas de continuer l'histoire et on va finir la vie de Malka Étoile. On va achever ses souffrances tout de suite. What the fuck? Oh my god! Ah, tu as arrêté ton atterrissage. Je sais même pas qu'est-ce qui s'est passé dans cette patente-là. En chute libre, dirige-toi en inclinant la manette remote. Ben, j'ai vu ça. Allez, essaie encore une fois. Cette fois, je ne pousserai pas. Alors, prends ton courage à deux mains et saute quand tu es prêt. Fonce vers le bord pour prendre ton élan et sauter dans le vide. N'oublie pas d'ouvrir ton parachute et puis assurer avant d'atterrir. My god! C'était même pas voulu, mon affaire, en plus. Je voulais me laisser mourir, mais écoute. Ok, merci de pas me pousser, maudit schnapps. Let's go! What the... Maudit Link... Fonce! Pourquoi il veut pas tomber? Il est trop lâche. Oh, une statue. Je peux-tu prendre la statue? On va voler la statue. Elle me regarde pas. Elle me regarde pas. T'es sûr que tu veux pas aller dans un buisson? Oh my god! Go! Parachal! Oh, faut que je le tienne! Yeah, j'atterris à côté. Je suis pro un peu? Ok, pas obligé de me la redire, blablabla, pourquoi? Y'a pas une méthode pour passer le texte plus vite? Je paye sur tous mes boutons de manette en ce moment. Vous l'entendez probablement vu que je suis à côté du micro. Ok, fait que, réessayons ça une autre fois. J'aime jamais contrôler les choses avec la maudite Wiimote, ok? J'haïs ça. Ben, ok, je suis dedans. Est-ce que ça compte? Fuck you! Ok, à date, je m'améliore à chaque fois. J'ai toujours été plus proche du cercle à chaque essai. Fait que c'est bien. Arrête de me parler, ma maudite. Ok. Go! Oui! Je tiens le B enfoncé pour être sûr de l'ouvrir au bon moment. Yeah! Là, je suis en plein milieu, là. Bah, pas exactement en plein milieu, mais je suis assez proche. Yeah! Ça compte. Alléluia. Elle utilise son oiseau, maudite tricheuse. J'ai dû utiliser sa jupe, sa robe, plutôt. Ça joue, qui sait. C'était parfait, tu es incroyable, Malka Étoile. Oui, ça m'a juste pris 4 essais. Yeah! C'était-tu 4 essais? Oui, c'était 4 essais. Yeah! Fais sourire. Ah! Ok. Qu'est-ce que ça passe? C'est le temps des buissons. Buissons. Malka Étoile, aujourd'hui, tu as gagné la chevauchée. Ok. Insiste-moi où est. Est en train de vouloir vraiment dire ça. J'ai gagné la chevauchée. Chevauchée. Dans les buissons. Et puisqu'il fait si beau et qu'à cette heure le vin est doux. Buisson. Tu ne voudrais pas. Buisson. Peut-être qu'on aille un peu se promener dans le ciel tous les deux. Buisson. C'est pas dans le ciel qu'il y a des buissons. J'ai même pas le droit de dire non. My God. Elle vient de me rendre très triste. Il n'y a même pas eu de buisson. Mais coulons. Il est rendu à voler. Il a l'air de mieux contrôler son oiseau que moi. Mais coulons. Malka Étoile. Malka Étoile. Qu'est-ce qu'il y a? J'imagine que c'est supposé être un moment romantique. Que je vais probablement gâcher. Yeah! Je n'oublierai jamais ta victoire d'aujourd'hui. Tu étais si majestueux sur ton oiseau. J'aurais même mis un buisson comme récompense. Et ce moment que nous avons partagé tous les deux durant la cérémonie. Il manquait un petit peu des buissons, je trouve. Nous avons passé des moments merveilleux. Non, il manquait le buisson. My God. Je te dis. Ça a juste pris 5 minutes à part de ça. On va-tu pouvoir aller tuer des monstres? Couper des monstres en deux? Tu sais, Malka Étoile? Non. Je ne sais pas. Il y a une chose dont je voulais te parler. Que tu entendais des voix, oui, on le sait déjà. Qu'il y a une explosion juste à côté de toi. Non, ça, on ne savait pas qu'il y avait une explosion juste à côté de toi. Qu'est-ce que... Point d'interrogation. Une tornade! C'est une tornade! Fonce dans la tornade, c'est toujours une bonne idée. N'est-ce pas? Évidemment que oui. T'es en train d'étrangler son oiseau! Qu'est-ce qui se passe? Hein? Malka Étoile! Oh non!
se passe comme prévu.